Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Fallout 4. Vous rappelez, là on est dans le parking, donc je vous avais laissé dans ce parking. Je vous avais laissé dans ce parking, non, je vous avais laissé sur le toit, mais ou devant, je sais plus, mais... j'avais prévu de remonter, de repasser par là où j'étais venu, donc vous savez, on monte par là. Hop, il y a quelques... deuxième étage, et on repasse dans le couloir pour entrer dans la station médicale. Sauf que ce camion m'a bien tenté, il m'a parlé... De loin, il m'a fait « Viens ici, viens ici !» Et c'est une porte de la caravane. Alors, c'est une caravane. Voilà. Ça, c'est ouvert. Ok, ça sert à rien. Parfait. À mon avis, c'est scénarisé. À mon avis, ça va être scénarisé. Puis, il y a cette porte-là aussi, qui est verrouillée aussi. Ça, ça sent le truc scénarisé que je suis en train de faire, que je devrais pas faire, qu'on va refaire plus tard. Je referai en off, putain. Pas que vous ayez à supporter tout le milieu. Ça nous ramène devant. Voilà. Devant. Ok, bon, bah écoutez, au moins, ça c'est vu. Moi je vous l'ai montré, il n'y a pas d'astuce. Ouais, pas d'astuce. Il n'y a pas de zone d'ombre. Sur mon magnifique travail, vous dites pas bon, il fait des super trucs pendant qu'on n'est pas là. Non, bon, enfin, normalement je fais que des trucs de naze. Quand vous êtes pas là, soit je bricole, soit généralement je refais genre les bâtiments que j'ai déjà fait en fait. Déjà voir si j'ai pas oublié un truc. Et parce que ça m'intéresse, que généralement on retrouve dans les bâtiments que j'ai pour habitude de faire du cuivre, des choses comme ça, des éléments assez réguliers que je sais où est-ce qu'on les trouve et qui me permet d'avancer sur mes constructions. Donc rebelote, on se remet dans l'ambiance, Oh, les champignons ont repoussé. Ah. Alors les champignons ont repoussé, ça c'est cool. Visiblement pas les ennemis. Et les autres champignons ils ont... venu quoi là? Non, les autres ils ont pas repoussé les autres. Ok. Le coffre est pas à nouveau plein. Ah non, le coffre est bien craqué, tout ça. Tout ci, tout ça. Ok. Mon chien, je crois que t'es au milieu. Voilà, merci mon chien. Ouais, j'ai pris mon chien aussi. J'ai pris ce bon vieux canigou. D'accord. Ça, c'est l'histoire d'un mec qui est mort. Ouais. Ça. Ça a craqué. Sérieux, une porte de novice. Blague. Ok, c'est vraiment en bas. Voilà. Chapeau de milicien, tenue de milicien. Dis donc, c'est un des nôtres qu'ils ont fumé. Oh. Petit marquage des miliciens au sol. C'est un méga Joe qu'ils ont buté. Parce que c'est moi le général, hein. C'est moi le patron. Hein. Donc quand ils butent un gars, ils butent un de méga. Hein. Très clairement. Hein. C'est pas bien ça. Ok. Le bâtiment est définitivement très grand. Je vais voir si elle pouvait me tirer dessus quand même. Fallait que je vois ça. Mais c'est une bonne planque, hein. Vous pouvez vous mettre sur le rebord là. Qu'avec 2-3 balles, il vous verra même pas, il comprendra pas. Et ça sera tout bénef pour vous. C'est trop grand, c'est trop grand. Je peux pas gérer moi un truc aussi grand là. Je vais me perdre 30 fois là-dedans. Je vais me perdre 30 ou 40 fois là-dedans. Ça sera marrant. Une porte novice. Ah par contre ça va. Ah, ça je sais. Je maîtrise ça. Ça y est. Je la trouverai toujours, même les yeux fermés. Vous pouvez y aller. Dedans non, c'est un bug de décor. Ok, texture de décor qui passe à travers ça. Par contre, malgré tout ce qu'on peut dire sur Bethesda, j'apprécie, est-ce que c'est un des rares studios aussi qui, quand il texture un sol, il n'hésite pas à lui donner du relief. Et donner du relief à un décor, c'est très gourmand en ressources, ça mange beaucoup de place. Enfin, il faut mettre même si c'est par plaque, vous voyez, de... Si ça c'est un élément entier par exemple prédéfini,
Faut quand même... bah voilà, c'est ça en plus, hein, c'est ça en plus qui est... est ici... C'est un peu partout, alors... Souvent c'est un peu triché, c'est préfère mettre plutôt des textures... style usé, où vous voyez la canette écrasée, tout ça qui donne l'impression qu'il y a un relief alors qu'il y a zéro relief. Hein. Il y a niet relief. Mais là, on voit sous la poubelle, il y a un relief. Ah, c'est sous la poubelle. C'est gourmand en ressources. Hein. C'est très gourmand en ressources. Quand même, hein. Façon de faire, mais... Et clairement, c'est pas perdu. Hein. C'est ce qui donne les ambiances aussi de Bethesda. Hein. Quand ils font un truc, ils le font, quoi. Avec des bugs, mais ils le font. Ça bugote, ça tremblote de temps en temps. Toi qui fouille les tiroirs en mon absence? Ce chien. Je prends Code Wars hein, si tu me saoules. Au moins il est rentable, il donne de l'eau purifiée. Il est rentable. C'est le talent principal de Code Wars, c'est qu'il est rentable. Alors c'est pas son talent principal, il est aussi très très bon au corps à corps. Ce qui est très appréciable. Les ordinateurs sont crevés. Je vais dire youpi, on va pouvoir en savoir un peu plus sur les tests après-guerre sur le personnel. Distributeur des ordres qui doit être classique. Au début j'ai cru que c'était un lance-missile et tout. Trop. Il n'y a rien là-dessous. Rien sur Chantal. Là-dessous, lolol. Lolol. Trop drôle. Trop drôle. Trop drôle. Drôle. Bon bah toi t'es un peu crevé mais bon c'est pas grave, t'es un milicien. Bah t'es un drone médical, first aid, ouais. Bon, c'est pas un garde de sécurité, c'est un ami. Voilà. Side, du premier coup, commande du protectron. Activer unité. Oui à chaque fois je pourrais le buter aussi, hein, pour gagner des XP. Hein. Forcément quand vous le butez vous gagnez du mex. Okay. D'accord, ils ont fait de l'élevage sur corps humain. Parfait. Rien d'autre à redire. Comme ça qu'on recrée la vie. À partir de ce qui reste de vie. Intelligente bien sûr. Intelligente. C'est un bien grand mot. Ils sont un peu plus cons que les autres quoi, c'est tout. Bien bien bien. De chimie, je crois que j'ai rien pour faire de la pétrochimie. En cas de blessure, veuillez rester. Parfait. Génial. Un peu de chance. Wow. Alors là, il s'est passé un truc. Je pense que des gens ont mis fin à leur vie. Personnel médical qui va avoir beaucoup d'humour, j'en sais rien. Il avait tellement d'humour qu'il en a eu jusque dans la mort, un lance-flamme, un grognac brûlé, en plus vous avez brûlé une BD grognac, imbécile. Ah là là. Je vois que vous savez pas quelle valeur ça a après hier. Hein. Ah les enfants. Vous êtes un peu bête. Alors inestimable. Estimé d'ailleurs. D'accord, très bien. Moi, je pense que pour cet étage, on est cool. On est à la cool. Dans cet étage. Et qu'on va pouvoir... une mine ici. Une mine. Ils appellent ça une mine. Ouais, c'est une mine, ça pète, c'est une mine. Pas de problème. D'accord, rez-de-chaussée, rez-de-chaussée. Et... Il y a mangé dedans. Jusqu'ici, vu qu'on n'est pas mort, on va faire une petite sauvegarde, parce que c'est quand même un grand grand bâtiment. Je sauvegarde régulièrement, ça peut être pas mal. Les gens. Peut-être Ron qui doit représenter les artilleurs, j'en sais rien. Les gens. Ok. Ça avec le ciment. D'accord. Hall d'entrée barricadé. Classique.
mon avis par là on sort, on va sortir par ça. Bon, on va sortir parce qu'on va regarder par où on arrive. À mon avis c'est la grande porte juste sous le tunnel là. Même pas, mais je pensais à une autre porte. Je pensais encore à une autre porte. Bon, ici on a tout pillé. Dans l'épisode précédent, pour ceux qui n'auront pas vu, ont juste vu le tag 19px. J'ai fait un truc, plus 19px. C'est peut-être parce que je suis rentré par la bonne porte, il considère que du coup j'ai découvert un lieu qui était déjà découvert. Pas l'utilité. Pas trop l'utilité. Il doit y en avoir une. Protectron de police. Oh, lui va me poser des problèmes lui. Oh, lui il s'appelle problème. Hein. Ok. Conneries, le reste est bouché, pas de soucis. On a déjà fait l'étage supérieur donc dans l'épisode précédent pour ceux qui n'auraient pas vu qui est là. Donc n'hésitez pas vous dans l'épisode précédent et vous verrez tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a à voir. Là-bas le gars. Il est pas ma jauge, elle est comment là? Ah non, elle est vide. Les voyages que j'ai fait aller-retour, forcément elle est vide. Ce que je vais faire malgré tout, en position pour les pompes. Oh bah au turbin soldat, au turbin. Ouais, il faudrait que je m'approche pour le shooter en fait. Ouais. Mettre quelques balles en slave. Qu'est-ce que c'est? Allez, deux balles dans le corps, ça me va. Bon. Ça remonte un peu ma jauge. De toute façon, faut que je tire un maximum de balles. Les balles ne sont plus un problème. Pour moi. Même si je n'ai pas découvert Diamond City, vous vous dites sûrement comment. Comment? Je rappelle que je suis chef local 2. Et que je n'ai donc plus de soucis. Ouais, bien, t'as vu le chien tranquille. Toi, t'arrives... ça. Ouais, bah oui, bah oui, bah non, on saute pas du trou du premier étage comme ça, me regarde pas comme ça. Débile de chien. Chien qui doit me regarder, bah non, c'était une tablette, c'est tout. Oui, bien sûr, quand on est un chien, on saute du premier étage, même du troisième, on s'en fout. Un chien, on est immortel, les chiens. Résistant aux radiations et tout, on t'emmerde. Les chiens, quoi. Ok, une lettre. Je trouverai pas, là. Moi tout de suite que tu veux pas que je trouve, ça ira plus vite. Alors. Zéro lettre en commun. Je revérifie. Aucune lettre en commun. Hein. Blackjack. J'en ai une. J'en ai qu'une, le B. Ok. Peut-être un B. On a autre chose qui commence par ça. Batterie. Non, parce que ça nous ferait au moins deux lettres en commun. Donc ce n'est pas ça. Ensuite, on a quoi? Réprimande. Ici, j'ai le A en commun avec Blackjack. Et pour ce qui est de bartering... ND, j'ai le N en commun. Ouh, ça y est. Tout à fait ça. Commande du protectron. Activer unité. Je n'ai pas de matrice. On va voir gentil protectron. Faire bonjour monsieur. Attention. Interférer avec la tâche d'un robot représentant de l'ordre est un crime. Attention. Interférer avec la tâche d'un robot représentant de l'ordre. Oh bah d'accord.
Donc si je te demande où est-ce que je peux trouver la gare centrale, pff, tu m'envoies péter quoi. C'est ça que t'es en train de me dire quoi. Monsieur est un représentant de l'ordre, alors... Alors forcément, c'est un robot qui dégaze plus haut que les autres. Hein. Ouais, forcément. Voilà. Je tape toujours autant des délires. Hein. Un qui est mort en se faisant étouffer la tête dans les chiottes avec tout. LOL. Rigole, protecton, je te passe. Juste pour que tu comprennes que maintenant l'ordre c'est moi petit. Alors alors. Un épique maïs, il n'y a rien à foutre ici. Est-ce qu'on est dans la section boutique, cantine Ouais c'est ça, on est dans la section cantine en fait. Boucher d'écureuil. Bûche de... Bûche à pain. Il y aura pain ou de pain? J'ai pas eu le temps de regarder. À pain ou de pain? Réponse dans votre dictionnaire. Oh, un resto mobile. Dun 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 dun, je veux. Arrête tes conneries. Non, reprends l'assiette. Ah, oh, ça a l'air génial. Vas-y. Tu peux la prendre l'assiette, tu peux. Ah, tu la prends pas. Ah, il nous tente tellement. Je suis sûr que c'est fait exprès. Juste pour nous tenter avec le petit gâteau en très très bon état. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait tellement pas d'eux. Petit cadre. Petit cadre. Un custom bugle machin. Un autre petit cadre. Des petits cadres, des cadres photos, des machins. Donne le gâteau. Tu passes 15 fois ou quoi? Ça dérange pas que tu crèves ou que tu casses comme machin, mais... C'est la couleur. Bien sûr, c'est blindé. Évidemment. Les douilles sont bien faites. Ça marche pas. C'est bugué. Volontairement, à mon avis. Hein. Très honnêtement, je pense que c'est bien fait exprès. Juste pour rendre fou les joueurs. Le genre de petit élément qui te rend fou. Je m'amuserais pas à essayer de faire un 100% sur la part de gâteau. Honnêtement, j'en ai rien à cirer. C'est un gentil récupérateur. Allons le saluer. Bonjour, gentil récupérateur. Je veux pas d'ennui. Il y a assez de trucs à récupérer pour tout le monde. Ouais, t'as raison. Donc on sort par cette porte-là. Superbe. Ce qui me dit toujours pas comment on rentre par celle-ci. Ah, laisse-moi deviner, c'est la porte barricadée. C'est la barricadée de porte. Non, on peut rentrer. Pas la porte barricadée alors. Mais où j'arrive ici? Ah bah là, y'a le protecton. Ok. Bon bah voilà, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de la question. Hein. On va pas aller beaucoup plus loin que ça. Hein. J'ai une chose ou deux à vous montrer. J'aimerais bien tant que faire vous les montrer dans cet épisode. Parce qu'on est relativement, je pense, léger. 222 sur 270, ok, on est déjà relativement assez lourd, mais on a le chien, donc ça fera l'affaire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Le bureau. Ici. Faut que j'aille dans le premier bâtiment et dernier bâtiment pour vous montrer ça. Je crois. Ouais. D'ailleurs, je me demande s'ils ont reposé les mines, s'ils ont remis les drones en extérieur et tout. Ah oui, ils ont remis les drones. Ah oui. Alors que je suis à peu près sûr qu'ils m'ont pas remis une armure assistée au fond. J'ai presque envie d'aller vérifier, tiens. Parce que s'ils sont honnêtes, en ayant remis toutes les tourelles, ils me remettent aussi l'armure assistée.
On va aller voir. Vite fait, en courant. Ah, quoi que pas trop. Ah d'accord, tout le monde a ripop, hein. Ok. Ok. Oh là là. Je tire plus vite que mon slip. Enfin, mon slip il tire pas en même temps, c'est con. Con comme expression. Est-ce que le fait d'utiliser une expression à la con vous... Oh, vous étonne. Ah oui. Si sur celle-là, c'est vrai. Armure assistée. Ah bah non. Hein. Il y a la porte en expert et tout à refaire. Mais il n'y a pas l'armure assistée. Eh oui. Donc, ce serait pas aussi bien. Et du coup, m'amène à me poser une autre question. Joli. Ce qui m'amène à me poser une grosse question. Je pense qu'ils ont dû remettre le Gus en place. On va aller voir ça. Là-haut. Et ils ont refermé ici. Hein. Ah, ils ont refermé ici. Ah, ils me saoulent. Ils font des trucs comme ça, c'est chiant. Ah non, ils ont pas remis de Gus. Oh, bah ça va, c'est cool. Bon, ils ont pas remis les armures assistées, ils ont remis des... les drones, mais ils ont pas remis le... le plus chiant qui est le Gus en fait. Pareil, normalement vous avez déjà vu l'épisode. Si vous n'avez pas vu l'épisode avec le Gus, je vous invite à y aller. Hein. Écoutez, hein, pas de soucis, c'est là pour ça. C'est désamorcé. C'est récupéré. Parfait. Pas trop. Gigoté mince. Ah ouais, d'accord. Super. Je tire dans un mur qui n'existe pas. Bravo. C'est une belle mentalité. Protectron, que j'ai toujours pas trouvé comment l'activer celui-là. D'ailleurs. Il y avait un combat. Ah bon, je l'ai raté. Excusez-moi, j'étais pas au courant. Ok. Bon, ceci étant fait. On va récupérer la picole. On n'est pas des sauvages. Ah, il y a plein de cartouches à récupérer. Attends, c'était cool. Excuserai, hein, je refais tout le donge. Hein. Hop. Ça sera rapide. Maintenant, on le connaît. Oh. Sérieux, il manque un demi-millimètre, quoi. C'est bon. Il manque un demi-millimètre. Ah, je suis trop lourd, le chien. Ok, hop, 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 prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, merci. Eh bien aimable. Hop, mode de l'officier. Ce machin, non. Vas-y, vas-y, vas-y. Il rentre sur certaines choses, hein, quand même. Certaines choses très bêtes, en plus. Parce que c'est du cuivre. Et le cuivre, c'est très cool. Oh, la petite bouteille de picole, ça a pas changé, on la récupère. Ah, mais dégage le chien, quoi. Sérieux. Par ici. Quand j'ai besoin de toi, t'es jamais là. J'ai pas besoin que tu sois là. T'es là. Incroyable. Ah, j'ai pas fait... je pense que j'ai ramassé tout ça. J'ai zappé tout ça. C'est probable. Alors. Tout ça, on l'avait vu. Trop vous embêter avec ça. Là, ce qu'on va aller voir, c'est un coffre-fort que j'ai oublié
Et alors des balles de 308, mais ça c'est dans l'autre radar, ouais. Parce que oui, c'est vrai que c'est divisé en bureaux. C'est divisé en deux segments. Je vais vous faire les deux. Alors attendez, on va monter là-haut parce que je crois qu'il reste une tourelle. On va la battre. Ça va nous dégager le chemin. Voilà, elle est là. Celle-ci, elle a dégagé. Là, des grenades et des mines. Je rappelle de faire très attention ici, il y a toujours devant, même devant l'une des autres tourelles, il y a normalement une mine. Si vous ne la voyez pas, je vous rassure, elle existe quand même. Bon là, moi, ils l'ont pas remis, qui sont sympas. Mais je me l'étais pris quand même dans les gencives parce qu'elle était dans le sol. Donc, on la voyait pas. C'est pas Bugdesda pour rien. Hein. On s'appelle Bugdesda, on s'appelle Bugdesda, il n'y a pas de souci. Alors oui, il est là. J'avais oublié. Hein. Oh. Heureusement que tu viens de te rappeler à moi. Ah parfait, en plus ma jauge est pleine. Je vais voir mon critique. Ça c'est cool. Voilà. Donc ce qui nous intéresse. Et là-dedans. Des bastos ici. Je me fais gaffe. Voilà. Il y avait des bastos ici aussi. Jamais fait gaffe. On redécouvre des trucs comme ça. C'est cool de repasser au même endroit, tu redécouvres des petites choses. D'ailleurs quand moi c'est quand j'ai vu la vidéo que je me suis aperçu que mince j'avais oublié des trucs quoi. Mince, c'est fou quoi. Un truc aussi important, comment ai-je pu oublier? Alors. Chut. Chut. Et t'es disdorme. Les tétebis ils dormaient, ouais, tout est pouillé. Bon, parmi le fusil d'assaut là-dedans, ça aurait été trop bien. Dommage, ça aurait été vraiment trop bien. Remettez tous les ennemis, les gars, vous pourriez me remettre le fusil d'assaut. Ok, ça c'était donc le chevalier Asselin. Il est mort, hein. Décédé, bien sûr. Le casier donc est déjà vide. Oh la boule, là, t'arrêtes de dormir, là. Bon voilà, merci. Ta tasse à café, merci. Oh. Là-haut. Je suis quand même beaucoup plus discret. Oh. Ouais, je suis vraiment beaucoup plus discret qu'avant, hein. Ah, les gars, vous me captez même plus, quoi. Zéro quoi, j'arrive devant toi, boum. Oh non, il y avait un truc. Osef, le pauvre. Alors c'était par là. Je vais te passer complètement à côté, le coffre est ici. Voilà. Donc le coffre est là. Ce qui est bien, c'est qu'on va pas avoir tout à refouiller. Donc ça j'avoue, c'est bien agréable malgré tout. Autant pour vous même que pour moi. Hein. Je m'aurais saoulé de devoir tout refouiller. Et j'aurais tout repouillé parce que bon, autant qu'à abattre des gens, autant profiter de leurs ressources, hein. Perds pas de temps, perds pas d'argent, c'est bien connu. Oui, il y avait une espèce aussi de truc que j'avais vu là sur ma vidéo, voilà. Une montre à gousset en or, juste en dessous, donc vous avez un petit or juste là. Ça pareil, je l'avais entreaperçu sur ma vidéo, je savais que c'était à peu près une montre à gousset, je savais pas si elle était en or. J'avais pas trop eu le temps de voir la couleur, mais voilà. Donc ça s'est retrouvé, ça s'est fait, et une petite cachette de capsules ici. Voilà. Là déjà on est pas mal, hein. On sent que on a retrouvé quelques petits trucs, quelques petites mécaniques de jeu qui sont reviendues. Voilà, hop, un petit dodo vite fait, hein. Le petit dodo qui remet bien, un petit dodo qui retape. Oui, le dodo est un animal en voie de disparition, aucun rapport. C'est très nul, génial. Voilà. Alors là normalement une goule légendaire. Si ma mémoire fonctionne bien, et ma mémoire fonctionne toujours très bien. Goule. Ah, les légendaires ne repop pas. Ah bon. Bon, il semblerait que les légendaires ne repop pas. C'est bien, ceci dit, ça fait plus dératisé, ça fait plus clean quoi. C'est plus clean.
Et c'est-à-dire que effectivement, vu qu'on est déjà passé, on a déjà tué tout le monde. Bah, même s'il y a des gens qui reviennent, ils sont moins nombreux qu'à l'origine. Ah si, il est là, regardez-moi ce petit canaillou. Petit canaillou. Voilà, dégage, j'ai fauché le crâne. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Ouh! Violence, carapide de combat, augmente de 25% les dégâts et les dégâts aux membres, mais accentue le recul. Ah ouais, mais attends, c'est génial quand même! Rends-toi compte! Mec, j'ai un chien! Va pas me dire que t'as pas grillé le chien! J'ai rien. Vas-y, ils vont tous me souder dessus encore. Voilà, voilà. Maîtrise-moi cet enfoiré. Arrête de bouger, toi. Reste tranquille, je te dis. Il y en a encore qui veulent faire les malins, là. Ouais, ok, merci mon chien. Parce que là, je crois que je ne touchais pas en même temps. Parti pour rater tous mes tirs dessus. Allez, on échange, je te file les armes, comme d'hab. On se masse tout le bordel là, prends tout. Prends tout, bien que j'aurais bien testé le point 45, mais je crois que j'ai pas. Je sais pas ce qu'il faut. Ah si, j'ai 52 balles. Je l'aurais bien testé. Allez, vous êtes pour que je le teste aussi. Hein. Allez, faites pas genre. Un petit flingue fait de violence, on va le tester. Un flingue violent. Allez, c'est parti. Un flingue violent. De toute façon, on va pas avoir grand monde là à retrouver. Normalement, on a descendu le gros dégoût là. Alors, où est-ce qu'il fallait que je vous emmène là-dedans? Attendez, il faut que je regarde mon paplard. C'était où? Ah bah, c'était ici. C'était justement ici qu'il fallait que je vous ramène. Ah, oui, c'est vrai que... Je suis un peu trop efficace maintenant, j'avais oublié. C'était là! Petite balle de 308, on en avait oublié, il y en avait 5. 5 si vous n'avez pas une chance de folie à ramasser. Si vous avez une chance de folie, il doit y en avoir une dizaine à peu près. Donc c'était, on dirait peut-être pas vital, mais les balles de 308 sont suffisamment sûres. Et puis tant qu'à faire le détour, j'ai envie de vous dire, tant qu'à faire le détour, il n'y a pas de détect. Alors, on a une là-bas qui dort, on va la réveiller. C'est même pas réveillé. Oh, debout là-dedans là. Je sais quoi hein. Et vous, merde. Ils sont tous en train de pionter là. Oh, je sais pas trop ce qu'ils font. Moi j'ai envie d'avoir un petit combat là les gars. Je voulais conclure sur une violence. Sur plein de violences d'ailleurs. Non, ils ont pas l'air trop motivés donc... on va conclure je crois sur une petite chanson, sur une petite berceuse, on va sûrement conclure là-dessus à mon avis. Genre y'a pas un petit Garen à toi là. C'est ça, t'es vivant toi. Non mais sérieux les gars, vendez-moi un peu de rêve. Il doit y avoir, alors déjà en bas doit y avoir... sous la table là déjà. Il est mort. Et toi aussi j'étais jamais allé te voir toi. Est-ce que t'as quelque chose pour moi? Dehors d'une ventouse. Est-ce que tu protèges magazine poulet? Non, tu planques rien. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Bon. Bon, on va finir peut-être. Ah attendez, il y a un truc là-bas. Poche de perfusion et un steam pack. Bon bah voilà, on a pas fait ça pour rien. Alors attendez, si tu crois que je te vois pas le légendaire là. Mange dans ta pomme mon gars. Ah t'es calmé. On est descendu directement en bas, ça va aussi vite. Y a pas de problème, on est un chien, on peut sauter du premier étage au rez-de-chaussée sans problème. Sans se faire bobo. C'est trop cool. J'avais oublié un verre ici, tiens. Je vais récupérer mon verre. Ok, il y a rien. Il doit y avoir quelqu'un quand même, non?
Rien ni personne, quoi. Sérieux, c'est pauvre, pauvre. Ah, là-dedans, il y en a un. Je dirais au hasard qu'il est luminescent. Chut, il dort, il n'a rien vu. Eh, je crois que là, il s'est aperçu quand même qu'il y avait quelque chose. Ouais, une balle sur deux, ça l'a fait. Oh, détends-toi là. Mais bon, on a le droit de s'amuser un peu. Oh là là. Tiens, est-ce que j'ai un Steam Pack? Tiens, Steam Pack. Oh mon toutou. On a rien à foutre, j'en ai d'autres chez moi. Ça peut te servir. Bon, une luminescente à la place des légendaires. Ça se vaut, hein. Il est sérieux, lui, il avait pas capté qu'il y avait un combat, quoi. C'est les ghouls buggés ou quoi, là? Je me rappelle pas être devenu aussi discret que ça, subitement. J'ai pas mémoire de ça. Caché. Donc, si je suis caché, c'est que je peux encore être détecté. Il y en a encore un qui attend pour se faire descendre. Il y en a encore un qui peut se faire descendre. Bon, allez, on a fini notre vidéo. Peut-être pas aller beaucoup plus loin. C'est l'entraînement de la garde nationale. On se tire. Voilà. Et bah, c'était Knarfank sur comme d'habitude gaming. Attendez, il me restait un truc à vous montrer. Ah ouais, il me restait un petit truc à vous montrer. Yes. Yes, yes, yes. Carte. On va encore aller voir des ghouls. Alors c'était où? Gare de Bedford. Plus par là. Yes, elle est là. Tant qu'il y a des ennemis à proximité. Il n'y a aucun ennemi à proximité, qu'est-ce que tu me fais? Il n'y a pas un seul ennemi à proximité, c'est parce qu'il faut que j'ouvre ça, c'est ça? Je crois que je vais t'ouvrir ton machin. Je vais être content. Commande de sécurité, ouvrir la porte, c'est bon? Allez. Allez, motive-toi un peu. Hein. Voilà, la porte elle est ouverte. Il n'y a aucun ennemi, regarde, je cours, je fais du bruit, youhou, youhou, ennemi, 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 where is it? Eh, il y a un pack de munitions là-haut, si, si, il y a un pack de munitions là-haut, comment on l'atteint? Oh, oh, ça se récupère ça, oh, ça, ça se récupère, comment on atteint ce truc, comment on atteint ce truc? Qu'il faut avoir obligatoirement une armure avec jetpack pour gratter. Ouais, ce serait pas impossible. Ça serait hélas pas impossible du tout. Ah ouais. Ah, ça me stresse. Ça veut dire qu'il y en a sûrement sur l'autre aussi de le poste qui est de l'autre côté. C'est fort probable. Alors la garde de Bedford. Ok, ce qu'il me fallait que je vous montre. C'est cool. Okay. Bien vu, c'est cool. Bah, c'était d'ailleurs dans ce wagon là-bas. Wagon là-bas. Celui-là. Alors dans celui-là, il y avait quelque chose de particulier que j'avais zappé. J'étais complètement passé à côté, mais comme quoi, il faut bien faire les choses de jour comme de nuit. Ici, vous voyez ce que l'être là. Il y avait un fusil là. Si vous l'avez pas, je vous conseille d'y aller. Je vous dirai pas ce que c'est. Je vous laisse aller le trouver. Alors, je vous ai déjà dit ce que c'était, mais j'ai oublié. Bon, je vous laisse le trouver. Je vous laisse vous faire un petit plaisir. Et j'étais allé aussi sur un autre point, du coup, parce que je n'avais vu que de nuit. Je n'avais pu percevoir que de nuit. C'était ça, là-bas. Petite cabane, là-bas, qui est pas sur les... qui est pas sur la carte, hein. Petite cabane qui n'est pas sur la carte. Et il y avait un cafard légendaire, là-dedans. Il y a un petit peu d'items. Il y a 2-3 bricoles à récupérer. C'était sympathique, il y a une mouche bouffie à buter, il y a 3 conneries à buter, il y a de la fausse morille à récupérer, et un rat de cafard, des munitions, et vous êtes bon. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, c'était Knarfank sur comme d'habitude gaming, et je vous dis à la prochaine, ciao!